J'ai fait du jazz, de la salsa, de la rumba, tout. J'ai essayé. À un moment donné, j'ai pensé les générations qui viennent futures. Parce qu'ils nous écoutent. Moi, je appelle tout le monde pour retourner aux ressources, pour mettre les morceaux traditionnels pour notre enfant, et puis notre frère et soeur, et les gens qui, aussi qui aiment la kora traditionnelle, puissent se rappeler avant nous tous. Elle a le sens parce que moi aussi, c'est comme ça que j'ai appris, hein, à côté de mon père. J'ai appris comme ça en écoutant. Voilà. Transmission orale. Je suis griot parce que mon nom, Ali Boulo Santo, ça c'est un nom d'artiste, mais mon vrai nom, c'est Diour Sissoko. Et je suis né dans une famille de griots. Là, je reviens pour mon album qui s'appelle Nunto. Nunto, ça veut dire autrefois en mandingue. Si je dis Nunto, c'est comment on jouait, l'esprit qu'on jouait de la kora. Voilà, les vieux, ils demandent comme ça la kora très clairement. C'est une chanson qui est sur Tara. On dit que c'est le fils de Tara, Cheikh Oumar Foutital. C'était une grande sage marabout qui a amené l'islam en Afrique.
dans une famille de griots. Mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père, tout le monde joue de la kora, ma mère chante. Voilà. Moi, je n'ai pas appris l'école. Hein. J'ai appris que la kora. Et j'ai appris toutes les bases. C'est la kora qui m'a amené partout dans le monde. J'ai tout reçu du bien avec la kora. La kora est née dans des morceaux comme ça. Les Kelefasane, Tchedo, Abdoundiaï, et les morceaux Djimba 5. Mm-hmm.